après avoir été froidement humilié par l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, après avoir reçu plusieurs refus d'appui financier du Fonds monétaire international, après avoir assisté impuissamment au renversement du régime sanguinaire d'Alpha Condé par les officines US, le dictateur Denis Sassou Nguesso est en alerte. Il sait que le temps ne joue pas en sa faveur. Moi, a une succession de pouvoir de gré à gré en République du Congo. Affaibli par la maladie, son régime est en train d'être noyé peu à peu par le nouvel échiquier sous-régional des Grands Lacs. Les renseignements américains s'intéressent de près à la magouille instaurée par le régime communiste chinois en République du Congo. Denis Sassou Nguesso et certains de ses généraux ont décidé de déplacer une énorme quantité d'armes lourdes dès son retour dans la capitale Brazzaville après une longue période d'absence. Une panique qui témoigne de la crainte qui règne au sein de la dictature moribonde. La trahison est partout et un air de fin de règne se ressent sur le visage des ténors du PCT. Ce qui arrivera s'écrira à jamais dans l'histoire de la République du Congo. Si Mobutu savait, il ne devrait jamais mourir et être enterré dans le royaume chérifien du Maroc. Un homme averti en vous deux.